Salut les Spartiates, j'espère que vous êtes prêts à vous entraîner aujourd'hui, on a un gros circuit qui nous attend. Alors, votre circuit c'est simple, c'est ce qu'on appelle un AMRAP, donc as many, ce sera des rounds parce qu'il y aura des tours de circuit as possible, mais pendant 20 minutes. 20 minutes ça passe. Si vous vous entraînez pour une super ou une beast, vous pouvez rallonger le temps jusqu'à éventuellement 40 minutes pour une beast. Vous avez à chaque fois un circuit avec 4 exercices que je vais vous montrer. Vous retenez le chiffre 10 parce qu'il y a 10 répétitions par exercice. Et à chaque fois, entre les tours de circuit, vous avez du run. Mais je vous redirai ça. On commence avec le premier exercice qui s'appelle le single leg deadlift. Ouais, j'aime bien parler à l'américaine. Donc on va commencer sur une jambe ici. L'idée, c'est de reculer son pied et de remonter. Vous en faites en tout 10 en alternant. L'idée, c'est pas d'aller vite. Regardez, je vous montre juste un petit truc de profil. L'idée, en fait, c'est d'essayer de reculer la hanche et de fixer son genou. C'est un exercice qui va vous permettre de renforcer vraiment l'arrière de la jambe et surtout apprendre à stabiliser le genou malgré le mouvement de vos hanches. Donc c'est hyper important pour aussi éviter les blessures dans la course. Donc 10 en tout. Petite chose aussi, évitez de me faire tourner vos hanches. Pensez à garder les hanches et les épaules bien face au sol et de faire quelque chose d'assez propre. Vraiment propre. Si vous êtes hyper à l'aise et que vous avez moyen de vous entraîner avec une charge, n'hésitez pas à prendre un kettlebell ou un sandbag, ça passe très bien aussi. Votre deuxième exercice, on va travailler sur le haut du corps. On va alterner un mouvement de pousser et un mouvement de tirer pour vraiment équilibrer le travail. Je vous montre ça tout de suite. On se met en position pour des pompes. Les mains sont à l'extérieur des épaules, les pieds relativement larges, vous allez comprendre pourquoi. Les coudes descendent à 45 degrés et vous remontez vraiment tout en un bloc. Et en haut, vous me faites un petit tirage. Vous redescendez, vous repoussez, vous tirez. Le but n'est pas d'aller vite encore une fois, c'est de travailler vraiment la force. Tout votre corps doit vraiment bouger en un bloc. Je répète souvent ça dans mes trainings, mais quand vous faites une pompe, c'est une planche en mouvement. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Deuxième chose, quand vous faites le tirage, ici, je ne veux pas avoir de rotation. Vous devez garder les hanches et les épaules face au sol et ça va être ça votre challenge. Et vous allez voir que ça va vraiment vous challenger au niveau du centre du corps. 10 répétitions en tout. Donc vous alternez bien une fois à droite, une fois à gauche, 10 en tout. Votre exercice numéro 3, on va travailler sur l'explosivité. Vous allez chercher à faire comme un saut en longueur, mais en atterrissant sur une jambe. L'idée, c'est de vraiment vérifier que votre genou est stable à l'atterrissage. Donc c'est hyper important quand vous travaillez sur des terrains qui sont très très instables, d'apprendre à stabiliser votre genou sur la réception. Je vous le montre juste une fois de face. L'idée, c'est vraiment de sauter vers l'avant et d'atterrir sur une jambe. De plus en plus, quand vous faites pas mal de répétitions, vous commencez à être à l'aise, donc vous pouvez aller plus loin devant. Voir si vous êtes très à l'aise, sauter sur quelque chose. Des marches d'escalier, un banc, ce que vous voulez. Dernier exercice, on va travailler le centre du corps. Il va paraître un peu débile comme ça et vous allez avoir l'air un petit peu con, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. On va passer au sol et on se met dans la position qu'on appelle la position du crabe. On a les hanches qui sont tirées vers le sol. L'idée, c'est de toucher la pointe de pied. Et on alterne. Ça peut paraître un peu facile comme ça, mais vous allez voir, vous allez moins faire les malins quand vous allez le faire. Il faut vraiment trouver sa stabilité. Pourquoi on fait ça? C'est hyper important pour le centre du corps et pour connecter ce qu'on appelle les chaînes musculaires croisées. Et ça, vous en avez besoin quand vous êtes suspendu et que vous faites des obstacles un peu de bras ou de grippe. Donc c'est hyper important. Donc là, vous avez vos 4 exercices. 10 répétitions par exercice. Et entre chaque tour, vous partez me faire un 400 mètres. Et oui, les gars! Et à chaque fois, vous faites 400 mètres, vous revenez. Vous faites un tour avec les exercices, vous repartez. Sauf qu'à chaque fois que vous partez courir, vous rajoutez 200 mètres à votre course. Bien sûr, si vous êtes à l'aise dans la course à pied. Vous avez 20 minutes, rappelez-vous, pour aller le plus loin possible dans l'entraînement. Ok, n'hésitez pas à partager ce training et à vous abonner à notre chaîne. Vous allez avoir pas mal d'entraînements pour vous préparer le mieux possible au Spartan Race. Mettez-nous aussi vos commentaires pour voir jusqu'où vous allez dans le training et ça va vous permettre de vous challenger avec vos copains, vous challenger avec vous-même. Si vous refaites ce training de semaine en semaine, vous allez voir que vous allez peut-être évoluer. Rappelez-vous juste que sur chaque répétition, c'est important de travailler la force et la qualité dans le mouvement. Cherchez pas à le faire vite. Par contre, cherchez à courir vite derrière. Là, ça sera plus sympa. Bonne chance les Spartans!